Voilà, est-ce que tu ferais des meetings? Alors, c'est-à-dire des dédicaces. Des meetings, c'est ouais, des espèces de séances de dédicaces, des rencontres avec les fans. Il faut que je l'organise parce que... Parce mais que, par exemple, ceux qui vont en Andy Fashion, ils pourront te voir. Comment? Ceux qui vont en Andy Fashion. Ah, oui. Bien sûr. Déjà, si vous m'accompagnez dans les événements où je vais, les festivals, les films que je présente, les premières, et les événements comme Andy Fashion, ça, c'est sûr qu'on se verra. Et puis après, oui, j'aimerais bien organiser des rencontres, mais des rencontres où on ne sera pas trop nombreux, où on sera une vingtaine, une cinquantaine maximum, pour qu'on puisse vraiment parler et discuter, parce que juste faire une photo et une petite signature sur un bout de papier, je trouve ça un peu dommage. Donc voilà. Mais un véritable échange entre toi et ton public, ce que tu aimerais instaurer maintenant et ce qui commence à se faire, et je trouve ça absolument génial. On nous demande quelle est ta saison préférée, quelle est la saison que tu as préférée sur Clem. Ah, même ça, je ne sais même pas moi. Vachement difficile de répondre à cette question parce que chaque saison avait quelque chose. Le premier épisode, ça a changé ma vie, donc ça a été très fort pour moi. Après, c'était la saison 1 et 2, je l'ai trouvé très chouette, mais je trouve que les enjeux étaient moins forts. Ça a commencé à vraiment prendre du coffre, je trouve, à partir de la saison 4, où on est rentré vraiment dans des sujets lourds. Et je trouvais ça intéressant, voilà, parce que beaucoup de gens nous ont dit, justement, qu'ils se retrouvaient dans ces histoires et tout ça. Tu trouvais ça intéressant de parler de l'euthanasie, par exemple, sur la dernière saison? Est-ce que quoi? Est-ce que t'as trouvé ça cool de pouvoir parler d'euthanasie à TF1, une heure de grande écoute? Ouais. Ou sur Gulli, live, là. Sur Gulli, oui, évidemment. En ce moment. C'est vrai. Oui. Non, j'ai trouvé ça bien, c'est sûr. Je trouve qu'il faut pas avoir peur de parler des choses douloureuses et voilà, et même des sujets comme l'euthanasie, c'est très difficile de se prononcer pour ou contre, en fait, parce que c'est tellement compliqué comme problématique, puis c'est pour chaque personne différent. Donc c'est très important, je trouve, d'amener le débat et la réflexion dans des choses comme ça où on peut pas dire je suis pour direct. Bien sûr. Voilà. Et donc oui, non, je trouve ça important que Clem le fasse. Et ouais, c'est une des raisons pour lesquelles la série marche, donc pourvu que ça dure, que les scénaristes continuent à inventer des belles histoires comme ça. On nous demande quand sort Porto mon amour au cinéma en France, parce que je pense que ça a beaucoup intéressé les gens, il y en a beaucoup qui viennent d'apprendre que tu as fait Simla avec Anton, hein, puisque voilà, donc du coup ça les intéresse beaucoup. Alors ça sort quand, du coup, en France? Alors ça sort pas encore tout de suite, il va falloir un peu de patience. On va être au Festival de Bordeaux le 16 octobre. C'est un festival où le public peut aller? Les Bordelais qui nous regardent, est-ce qu'ils peuvent venir? Un festival où le public peut aller et où il est même très bienvenu, et je serai très très contente de vous y voir. Et ça, c'est quand? Voilà. Tu nous rappelles la date du coup pour les Bordelais et les Bordelais? Le 16 octobre. Le 16 octobre. Après, donc le lendemain de la Andy Fashion. Le 15 Andy Fashion, le 16 Bordeaux. Non, mais en ce moment, c'est sûr que. Il y a des week-ends où elle fait trois pays différents et c'est véridique. Et donc, mais il sortira quand même en France, hein, le film Porto mon amour. Bien sûr, il sortira en France, bien sûr. On fait des festivals parce que c'est un petit film et donc il faut que ce film soit beaucoup vu en festival pour qu'on en entende parler et pour qu'il y ait plus de cinéma qui nous prenne après. Voilà. Très bien. Et donc, on rappelle, Andy Fashion, c'est le 15 octobre du côté d'Avignon. Donc, il faut absolument y aller soutenir cette très, très belle association. Le lendemain, Bordeaux avec Porto Mon Amour. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous à venir comme ça, Lucie, en festival ou en... Il y a déjà, on est en direct dans le monde entier. Donc, tu peux le dire, même si c'est en dehors de la France. Tu ouais, peux le dire. Bah, oui, je vais aller avec le film Porto, notamment. Je vais aller je vais retourner à Porto, Portugal. Je vais aller à Londres. Je vais aller... au Danemark, je vais aller à Sao Paulo, à Mexico, aux États-Unis, à Tokyo, tout ça. Mais tout ça, je vais vous faire un petit agenda sur ma fan, enfin, sur la page officielle Facebook. Je vais faire un petit agenda et comme ça vous saurez tout. Voilà. Voilà, très bien. Donc, on suit Lucie sur ces machins. On nous demande souvent comment tu fais, si tu as des conseils à donner aux jeunes acteurs, aux jeunes actrices. Il y a énormément de jeunes acteurs et actrices qui nous regardent. On a la question 500 fois par minute. C'est pour ça qu'on te la pose. D'accord. Eh bien, il faut travailler. Pas se décourager, ne pas écouter, enfin, écouter les critiques dans le sens où il faut, pour grandir, il faut essayer de s'améliorer tout le temps. Donc, c'est important. Mais il faut surtout jamais écouter quelqu'un qui va vous dire « tu vas pas y arriver, c'est foutu, trouve un vrai métier ». N'écoutez pas ça, faites ce que vous avez envie de faire. Il n'y a que la passion. De toute façon, c'est des métiers de passion. Donc, si vous n'avez pas la passion, il ne faut pas le faire. Si vous avez la passion, elle va vous porter et vous allez y arriver au final. Mais par contre, travaillez tout le temps.
Exactement, okay. Travailler tout le temps, travailler comme des stages auxquels on participe avec Gwenal, oui. Et on est ravis de les faire. C'est des vrai. Stages organisés par iEvent, exactement, qui seront les prochains stages sera là, tout ça. On y participe souvent avec Gwenal. Oui. Ça va, regarde, il y a même une pancarte. Ah bah, Jackie Mathilda. Nous dit même voilà l'adresse email pour voilà. Vous inscrire. Je sais voilà. Pas si les on stages voit. iEvent à Paris, donc exactement. Si vous êtes jeune parisien, etc., c'est très très intéressant. Les intervenants sont très intéressants, n'est-ce pas, Gwenal? Alors, on rappelle Lucie, merci infiniment. Merci Merci d'avoir pris sur ton samedi pour venir nous parler d'Andy Fashion qui se déroulera le 15 octobre du côté d'Avignon. Pour toutes les infos, on les retrouve en tapant Andy Fashion sur Google, mais également sur tes pages officielles que tu nous as rappelées. On y sera, on sera présent, on soutient cette association. Et allez liker la page Facebook Andy Fashion. Parce Andy Fashion. Voilà. Très bien. La Facebook Andy Fashion et on partage évidemment la vidéo sur la cause des femmes que tu as mis avec Elodie hier. Ça a été un bonheur. Merci infiniment. Merci infiniment, gros Lucie. Bisous. Bisous. À très très vite. Et bah vous voyez. Lucie, on va passer sur cette caméra là. Passer sur cette caméra merci avec les gars. Merci infiniment d'avoir été avec nous. C'était un super samedi. Ah oui vraiment. Moi j'ai kiffé. Il n'y a pas eu de bug technique du tout.